Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapa.com. Aujourd'hui, on va tester le produit Pack Barbecue de chez Eco Barbecue pour un allumage de votre barbecue en toute simplicité. L'un d'entre vous m'a tagué sur une publication de la marque Eco Barbecue, EKOBBQ, et j'ai vu qu'il faisait ce produit, donc le pack barbecue, qui m'a vraiment intrigué. Donc j'ai contacté la personne pour qu'il m'en envoie, et en fait, vous voyez, c'est un pack comme ça qui est prêt à griller. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, hop, on va l'ouvrir ensemble, hein, je l'ai pas testé encore. Voilà, ça va faire comme une petite tour comme ça. Donc ça, c'est de la cagette de bois recyclée. Donc en fait, l'idée c'est que ce soit 100% dans la mouvance actuelle de lutter contre la déforestation, etc. Donc bois recyclé ici. Il y a un allume-feu en dessous, donc on va tester ça. Et dans ce sac ici, il y a 2 kilos de briquettes, mais alors c'est pas des briquettes de charbon de bois, mais de coques de noisettes, donc 95% de coques de noisettes broyées et agglomérées avec 5% d'amidon. Donc voilà, on va tester ça en direct. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre sur la boîte? Donc allumage facile, prêt en 10 minutes, 2 kilos de galets, charbon 100% coque de noisettes longue durée, propre et facile. Voilà, et donc le but, bah, ça va être de sortir, prêt en 10 minutes, système d'allumage intégré pour 3 heures de braise, tenir hors de portée des enfants. Et donc ça contient une cagette de bois issu de recyclage de la filière bois, donc ça je viens de vous le dire autour. Il y a 2 kilos de galets de charbon naturel de coque de noisette, et donc c'est vraiment prêt à griller. Donc c'est un produit que l'on trouve entre 5,90 et 6,90, donc c'est un petit peu plus cher que les briquettes que l'on trouve normalement, parce que on va dire, allez, on peut trouver... pour 9,50€, 4 kilos de briquettes. Allez, on va tester tout ça ensemble sur le barbecue. Voilà comment ça se présente, hein. Donc c'est une espèce de petite tourelle avec de la cagette, des petites agrafes ici, un sac, et donc juste en dessous ici, ce sont les allume-feux. Bon, alors déjà, première chose, je pensais que c'était un système vraiment tout en un. Il manque une petite allumette, donc bon, on va faire ça au briquet. Oh, là ça part direct, hein. Hop, je le retourne, voilà, et on va le laisser prendre tranquillement. Voilà, ça vient de s'effondrer maintenant, 13 minutes 30 secondes. Au bout de 15 minutes, je vais pouvoir donc disposer mes braises comme ça. Vous voyez que c'est pas mal parce que ça prend 50% de l'espace. J'ajoute ma grille. Et voilà, par contre ça monte bien en température, vous voyez, au bout de 15 minutes, on est à 150 degrés. Pendant ce temps-là, on va aller disséquer un autre et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça, hop, on ouvre le sachet. Et donc, voilà, en fait ce sont des petits galets comme ça, donc de coque de noisette. Alors celui-ci, il est pas percé. Ah oui, voilà. En fait, ils sont percés comme ça, donc ils laissent passer l'air ici, et puis ils ont une forme pas tout à fait ronde, mais ça va permettre aussi de l'air de fluctuer entre les briquettes. Voilà, ça fait maintenant 2h45 que c'est en train de cuire. On dépasse, on va passer en dessous des 165 degrés. Donc voilà, c'est à peu près 3h. Donc finalement, ce produit que j'apprécie beaucoup par son côté green barbecue, hein, qui rentre vraiment dans l'esprit et la mouvance actuelle qui va lutter contre la déforestation. Donc je vous rappelle les principales qualités. Donc il y a des allume-feux naturels, c'est du bois de cagette en bois recyclé. Ça va être des galets de coque de noisette, 95% avec 5% d'amidon, issus de la cueillette et du recyclage, contribué au développement durable. Donc voilà, tout ça, c'est marqué dessus. Donc c'est vraiment un produit très sympa pour les gens, voilà, qui veulent pas s'embêter. Ils ont juste la petite tourelle à poser sur la grille foyère, ça prend, c'est très très facile. Et ensuite, on peut, pour venir augmenter, on peut venir rajouter encore des galets dessus. Donc les sacs de 4 kg seront à peu près à 7,90, les 8 kg à 14,90. Donc là, pour le coup, on est en dessous de ce que l'on peut trouver sur d'autres briquettes qui sont plutôt du charbon de bois, alors que là, on est sur de la coque de noisette.
Cependant, les reproches que j'ai à faire, c'est qu'il manque une petite allumette. C'est vrai que ça aurait été vraiment du prêt à l'emploi, mais je pense que c'est vraiment différent après au niveau du stockage, de la logistique, etc. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. Voilà, c'est le petit truc. Après, c'est marqué prêt en 10 minutes. Vous avez vu, moi, la tour s'est effondrée au bout de 14 minutes 30 pour que ça finisse de bien brûler. Allez, j'ai pu commencer mes grillades au bout de 20 minutes, mais sans rien faire, donc ça change déjà de beaucoup de personnes qui vont essayer la technique du tipi inversé, du cousin, de l'oreille gauche, du chien, etc. Donc voilà, finalement, c'est un produit qui est quand même très simple et novateur que j'apprécie. Donc voilà, ça me fait plaisir de mettre en avant ces petites entreprises. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt !